Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc chez moi, à l'intérieur, devant ma baie fixe, où nous avons mis en pot des avocados. Je voulais vous montrer. Il y a deux variétés en fait. Il y a ce pot-là. Donc cette variété-là, c'est opale. Ensuite, cette variété ici, lui c'est Brazos Bell. Voilà, donc en fait on a acheté sur eBay les noyaux qui viennent du Mexique. On a planté ça donc en janvier 2022. Et voilà, donc là nous sommes en février 2024. Vous avez vu ça? La hauteur. Donc en fait, j'ai pris un mètre pour vous montrer quelle taille ils ont. Donc voilà, j'ai mis mon mètre. Nous sommes quasiment à un mètre de hauteur. Donc voilà, l'autre c'est quasiment pareil. Donc comme je disais, on les a achetés sur eBay. Donc les noyaux, on les a plantés en janvier 2022. Voilà, donc l'objectif, ça sera de les mettre en serre. On a comme projet de faire une serre en dur, hors gel. Donc cette serre, elle va faire 50 mètres carrés, 3 mètres 50 de haut. Et nous allons conduire ces avocados en espalier comme les poiriers. Donc ce sont des variétés rustiques. Donc tant qu'ils sont pas très gros, on les laisse à l'intérieur. Parce qu'on ne va pas risquer de les perdre. Donc là, on a mis un petit tuteur pour bien le redresser. Et après, on va les mettre dans notre serre. Donc, ce sont des variétés, donc, comme je vous ai expliqué, rustiques, qui résistent à moins 9 degrés. Voilà, les amis. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on a fait du départ. Donc, au départ, les noyaux qu'on a donc reçus par eBay, on les a donc installés dans des pots d'eau. Comme beaucoup de gens connaissent en fait, hein. On les trempe dans l'eau, on les maintient avec des cure-dents. Donc ici nous avons donc trois noyaux, c'est des noyaux d'avocat qu'on a achetés dans le commerce, donc la variété As. Donc là par exemple, ça date du 17 janvier 2024. Voilà, on met les étiquettes, hein, toujours. Donc ici 20 janvier 2024 et ici 23 janvier 2024. Voilà, donc au bout d'un certain temps, le petit feuillage arrive. Voilà, et après, on peut transplanter dans un pot. Donc, voilà, les amis, comment on a démarré pour avoir ce résultat. Donc, les noyaux, on les a maintenus avec des cure-dents, mis dans des pots. Et là, donc, ça date de janvier 2022. Donc, regardez le résultat. Donc, en 2 ans, hein, puisque là, on est en février 2024. Le résultat, ça fait 1 mètre de haut et ils sont quand même en pleine forme. Malgré que c'est des variétés rustiques, on les laisse pour l'instant à l'intérieur. Voilà, on attendra que le tronc soit beaucoup plus épais. Donc, avant de les mettre dans notre serre, donc comme ça, on a bien le temps de construire notre serre en dur. Voilà, les amis, je voulais vraiment vous partager cette vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées. Donc, et on espère un jour avoir des avocats. Voilà les amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu, à commenter si vous le souhaitez. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.